Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est que à Bizerte, exactement, c'était le soir. Je situe entre 21h, hein, 21h. Je suis sorti avec mon épouse faire deux petites courses. Hein. En revenant des courses, on a croisé à peu près, hein, je ne situe pas le chiffre exact, une cinquantaine de personnes. Hein, une cinquantaine de personnes. C'était une grosse manif, c'était des salafistes, c'est sur le journal tunisien, donc c'est identifié. Ces salafistes, mon épouse était habillée donc d'un t-shirt tout banal, d'un pantacourt, et ma fille était en short. Je précise que ma fille a 12 ans. Donc, un des salafistes les a agressés verbalement en leur disant « La Tunisie, c'est un pays islamique, islamique, islamique. » J'ai eu peur, j'ai pris peur pour ma femme et ma fille et je leur ai demandé de se sauver. « Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. » Et je les ai attirés puisqu'ils m'ont tout de suite mis un coup derrière la nuque. Hein. Ils m'ont poursuivi, j'ai eu des coups sur la tête, sur la tempe, sur l'arcade sourcilière, sur le dos, voilà. Donc c'était la panique, ma fille hurlait, « Papa, papa, on va le tuer, papa, mon papa. » Donc c'était vraiment un cauchemar, c'était cauchemardesque, hein. C'était cauchemardesque. Mais ce que je veux noter, c'est qu'effectivement, personne, il n'y a aucune solidarité, personne n'a m'apporté secours. Je pense que si j'étais tombé par terre, il m'aurait achevé. Certainement qu'il m'aurait achevé. Et si vous voulez, la police était inexistante. Il n'y avait rien de tout ça. Voilà.